Ce sera intéressant d'ailleurs de constater que les circonstances historiques quelconques, que ce soit, comme on en parlera tout à l'heure, la Grande Guerre pour Proust, la guerre de 14-18, ou, sautons un siècle, le contexte coronarien que nous connaissons maintenant, ne sont pas, ces circonstances, ce contexte, ne sont pas que négatifs. Qu'il y a aussi une espèce d'émulsion favorable, comme on dit en chimie, pour produire des effets de resserrement, des effets de concentration, des effets de désir de sortir de soi et de donner le meilleur de soi-même. Ce n'est pas uniquement dans un contexte un petit peu morose qu'on peut situer une rencontre comme celle-ci, mais aussi dans une forme de joie déplacée. Enfin, c'est ainsi que moi, je le ressentais en descendant de mes hauteurs d'un autre côté de Bruxelles jusqu'ici ce matin, à pied évidemment, pour dépasser par des trams qui de temps à autre s'arrêtaient et que je redépassais à mon tour avec le sentiment que la marche à pied est un élément fécond pour se mettre en posture de réfléchir, d'écrire, de créer ou simplement de lire ou de se remettre dans le bain d'une œuvre, d'un contexte, d'une aventure particulière. Il faut ajouter à cela que il y a, et ça on se rapproche tout doucement, vous le voyez, de la question de Proust qu'on va aborder frontalement dans quelques instants, il y a dans la marche et dans les déplacements physiques simples, ceux qui ne demandent pas une motorisation ou un découplage physique, technique comme certains véhicules à deux roues, il y a dans la marche quelque chose qui est propice au déclenchement, c'est-à-dire à la remontée, à la mise en forme, à la concentration de la mémoire. Je pense que marcher est mystérieusement un acte propice à autre chose qu'à la marche, au déploiement musculaire, mais aussi à la régulation mentale qui favorise ces surgissements, ces retours sur soi, ces concentrations. Étudiant, j'aimais marcher avant mes examens pour penser ce que j'allais bien pouvoir dire. C'était en général des examens oraux. Et par la suite, devenu écrivain, j'aimais à marcher pour résoudre un chapitre qui résistait, un vers qui ne venait pas, etc. Et toujours, comme si on frappait à la porte de l'invisible, quelque chose finissait par venir. Voilà ce que je voulais vous dire, puisque l'œuvre de Proust est intimement liée au surgissement et à la revisitation de la mémoire. Je voulais vous dire cela que j'éprouvais encore à neuf ce matin. Il y a des effets de hasard parfois, par exemple dans les datations. Il y a quelques semaines, je vous parlais, je dis vous de manière collective, d'Apollinaire, dont l'œuvre majeure, Alcool, est parue en 1913. La semaine dernière, je parlais de Pierre Louys, qui, après un long silence inauguré au début du XXe siècle, en 1913, après que dans certaines circonstances, il se retrouve seul, sa femme, la sœur de son grand amour, l'ayant quitté, et il revient en 1913 à l'opération poétique qui va produire notamment le grand poème qui s'appelle « Le Père Vigilum Mortis ». Il y a d'autres cas qu'on n'évoquera pas dans le cadre de cette saison. Je pense au fait que, par exemple, Le Grand Maulne, livre qui a conservé une grande réputation mélancolique liée à l'enfance et à la jeunesse et au premier amour, paraît en 1913. D'autres livres aussi qui frappent peut-être moins comme date, L'Entrave, qui est un des meilleurs romans de Colette. On pourrait même citer quelque chose de peut-être plus fondamental encore, qui est qu'en 1913, Paul Valéry, qui depuis plus de 20 ans a cessé d'écrire, ou en tout cas plus exactement a cessé de publier, et singulièrement de la poésie, sollicité par ses amis Gallimard et André Gide de republier ses poèmes du siècle précédent, décide de les accompagner, ses vers anciens, comme il le dit, d'un poème de 30 vers nouveaux qu'il écrirait et qui serait ses adieux à la poésie. Et puis, on est en 1913, et c'est en 1913 qu'après un si long silence, Valéry se remet à écrire. Il va y avoir, comme pour tant d'autres, la guerre en 1914, le développement de ce poème qui, au lieu de faire 30 vers, finira par en faire des centaines, et la version finale en fait 512.
Je parle du poème qui s'appelle La Jeune Parc, et que vous connaissez sans doute pour la plupart, qui pleure là sinon le vent simple à 7 heures, seul avec diamants extrêmes, mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer. L'histoire, si un poème raconte une histoire, d'une jeune femme, la jeune Parc, qui se réveille, seule nue, au bord de la mer, tandis que les étoiles commencent à s'allumer dans le ciel, et qui, peu à peu, développe, par une série de glissements, cette espèce d'apprentissage de soi, de connaissance de soi, qui fait que le poème de la jeune Parc, en fait, est le poème de l'esprit, le poème de l'intelligence, qui reprend possession du monde et qui recompose l'univers à partir de la perception qu'il peut en avoir. Donc 1913 est le retour, la date secrète, même si le poème ne paraîtra qu'en 1917, le retour de Paul Valéry à la poésie, et accessoirement, mais ce n'est pas accessoire, au succès, puisqu'il deviendra une figure absolument étonnamment frappante, connue, recherchée de la littérature de l'entre-deux-guerres, alors que c'est une œuvre extrêmement austère et souvent très abstraite. Et puis alors, 1913, c'est l'année où paraît, du côté de chez Swann, le premier tome de La Recherche du Temps Perdu. Proust, je vous le rappelle, est né en 1871, en 1871, et donc au moment où paraît la forme nouvelle apparemment de sa présence littéraire, puisqu'il a très peu publié auparavant et il a très peu de visibilité, au moment où paraît du côté de chez Swann, il a donc 42 ans, ou 43 ans, ce n'est pas 42 ans, ce n'est pas bien vieux, mais il a déjà un long parcours de souterrain ou partiellement souterrain d'écrivain dont nous allons parler dans quelques instants, parce que évidemment un écrivain ne surgit pas de rien, un livre n'apparaît pas tout d'un coup comme un aérolithe, peut-être aux yeux de ceux qui ne connaissent pas l'auteur et qui ne connaissent pas son parcours, mais pas dès qu'on s'intéresse à ce qui s'est réellement passé pour produire une œuvre si singulière et si forte. La parution du côté de chez Swann et de ces trois parties combrées qui décrit l'enfance, un amour de Swann qui décrit une histoire en apparence détachée, mais qui constitue en quelque sorte le modèle de ce que vivra le narrateur à son tour. Et ensuite, la découverte de l'attrait des noms quand on ne connaît pas encore les pays. Et ce premier volume, qui est un fort volume, qui fait plus de 700 pages, n'est que le morceau de quelque chose de plus vaste et paraît dans des conditions singulières. Une certaine singularité de l'œuvre est nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé et comment fonctionne la mémoire proustienne et surtout le travail proustien. Donc on va reconstituer ça en quelques mots en essayant d'être le plus narratif et le plus fil possible. Mais disons que pour beaucoup de gens qui connaissaient de loin, comme ayant publié quelques textes dans quelques feuilletons dans le Figaro, ou pour l'avoir fréquenté à l'école ou dans Le Monde, comme on disait à l'époque, le livre surgit réellement comme un instrument bizarre. La plupart des gens, on peut dire, n'y comprennent rien. Non pas qu'ils trouvent le livre spécifiquement difficile, mais ne comprennent pas le projet. Ils ne voient pas ce qui différencie, par exemple, la première partie du premier volume de Souvenirs d'enfance, puisqu'il est question de quelqu'un qui dit « je » et qui décrit un certain nombre de circonstances liées à ses vacances à Combray, chez sa tante Léonie, etc. Et bien d'autres choses encore. D'autres se moquent, comme déjà se moquaient les lecteurs des maisons d'édition qui, à tour de rôle, ont refusé de publier le livre, le premier tome du livre, avant qu'il ne s'en trouve un. Il y a notamment un éditeur célèbre de l'époque qui s'appelle Ollendorf, qui confie le manuscrit qui vient d'arriver par la poste à un lecteur, c'est-à-dire un membre du comité de lecture, et celui-ci, on connaît la réponse, dit je suis peut-être bouché à l'Emery, une formule un peu désuète aujourd'hui qui veut dire je suis peut-être complètement bouché, mais je ne comprends pas comment un monsieur peut consacrer 50 pages à décrire comment il tourne et se retourne dans son lit. Il fait allusion à quoi ? Il fait allusion au fait que le livre
commence effectivement, vous connaissez la phrase célèbre qui est l'incipit du livre, « Longtemps je me suis couché de bonheur », il décrit quelqu'un qui, aussitôt qu'il a soufflé sa bougie, et se trouve plongé dans l'obscurité et dans les premières atteintes de ce qui peut être, si l'insomnie ne vient pas, sera le sommeil, se demande où il est, s'endort, se réveille, et envisage toute une série de chambres qu'il a pu connaître, et que nous ne connaissons pas encore, qu'il évoque, une série de circonstances, une série de bruits de couloirs dans les hôtels, de bruits de couloirs dans les hôtels, d'ambiance dans les maisons de famille, etc. Et il annonce aussi parfois des lieux qui ne seront évoqués que plusieurs centaines de pages plus loin. Donc il y a un effet de saisissement, parce que le lecteur, à commencer par celui d'Ohlendorf, ne comprend pas qu'il s'agit, au fond, de ce qu'on pourrait appeler un zapping de l'œuvre à venir. C'est, pour tous les gens qui sont nombreux, qui appartiennent à ce club, lui, très large, vraiment très très large, des gens qui ont failli lire Proust, mais qui ont été découragés par le premier volume, ou par le début du premier volume, il faut comprendre qu'il y a une sorte de couche de glace, hein, comme au-dessus d'un cocktail frappé de la glace pilée, qui fait, dans les éditions courantes, environ 50 pages, et qui précède le début de la narration proprement dite. Et qui est à la fois l'annonce esthétique de ce qui va se passer, l'intuition de ce qui va lier les événements entre eux, et la suite de preview, comme d'images rapides, d'un certain nombre de scènes ou de lieux de scènes qui se développeront dans les pages et les volumes suivants. Et lorsqu'on a franchi ces 50 pages de zapping, qui sont d'une audace et d'une virtuosité inouïe, on se retrouve dans une autre chambre, hein, mais qui, celle-là, va s'éclairer. Vous savez, comme sur Google Maps, quand on voit, on va voir le nom d'une rue, hein, où se trouve la rue d'Erichclair, et puis on voit le tracé de la rue, et puis si vous cliquez sur ce tracé, peu à peu, la rue s'élargit, on commence à voir son nom, et puis à un moment donné, ça saute et on voit surgir les façades. On passe dans, non plus dans le tracé topographique ou topologique, mais carrément dans la représentation visuelle des rues concernées. Ben, quelque chose comme ça doit nous fournir la métaphore ou le mode d'emploi pour comprendre comment ça recharge le temps perdu, c'est-à-dire par un énoncé encore au général, avec des allusions qui ne sont pas encore explicites ou pas encore explicitées. Et puis, peu à peu, de même que la mémoire proustienne va surgir une première fois, comme vous connaissez l'épisode célèbre de la Madeleine trempée dans une tasse de thé, la mémoire va surgir d'un certain point d'impact de la remémoration. Et à partir de ce moment-là, le roman, à proprement parler, commence. Et donc, il faut avoir traversé ce circuit topographique. Il faut avoir accepté qu'on assistait à un zapping avec aussi un certain nombre d'allusions plus personnelles, d'allusions morales pour mériter, avec tous les instruments requis, de pénétrer dans l'œuvre la plus importante, sans doute, du XXe siècle et une des grandes œuvres de littérature de l'histoire humaine. Pour moi, Proust, je fais une petite parenthèse parce que je me rends compte qu'une des œuvres les plus importantes de l'histoire humaine, c'est un peu pompeux, c'est probablement une des choses les plus importantes qui me soit arrivée. Je me trouvais, circonstance qui peut se produire un jour, au dernier jour de ma vie, et qu'on me disait « mais qu'est-ce qui t'a plu dans la vie, qu'est-ce qui a compté pour toi ?» Je dirais bien sûr avant tout le nom de quelques femmes qui ont éclairé mes jours. Mais tout de suite après, je dirais, et bien sûr, l'œuvre de Proust. Non pas parce que j'aurais une dilection pour un certain type d'histoire plutôt qu'une autre histoire, mais justement parce que ce roman n'est pas, il est aussi, mais n'est pas qu'une histoire. Il est un roman vie, un roman universel, un roman total. Total, pas parce qu'il aborde tous les aspects du monde, évidemment, il remonte à un certain point de vue, à une certaine époque, à un certain style, une certaine langue, mais parce que, à l'intérieur de ce dispositif,
il assure au moins quatre aspects, ce qu'on pourrait appeler la rose de vent, des vents de l'esprit. Dans un roman ordinaire ou supposé ordinaire, il y a quoi ? Une intrigue. Hein. Éventuellement, une écriture convenable ou belle qui soutient l'intrigue et des personnages intéressants. Dans ce que j'appelle un roman total, ou de façon générale, dans une grande œuvre, qu'elle soit romanesque ou pas, hein, parce que en littérature française, les chefs-d'œuvre ne sont pas des romans, ou pas forcément des romans. Hein. Les essais de Montaigne, les pensées de Pascal et Le Provincial, les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, les discours de Bossuet, les pièces de Molière, en tout cas c'est meilleur, les mémoires de Saint-Simon, et bien d'autres choses qui sont vraiment le sommet de la littérature française et peut-être de la littérature universelle, ne sont pas des romans. Hein. La littérature française n'est pas axée principalement, contrairement à la littérature anglo-saxonne, par exemple, sur le dispositif romanesque. Le dispositif romanesque joue un rôle, mais au fond, même les grands romanciers français, je suis dans une parenthèse, mais elle me paraît utile, du XIXe siècle, par exemple, ne sont pas forcément tous des maîtres du récit en termes d'intrigue. C'est certainement le cas pour Balzac, qui est un romancier, hein, qui a des intrigues, des aventures, des coups de théâtre, des personnages, etc. C'est beaucoup moins vrai pour Stendhal, où le ton stendhalien, la musique stendhalienne, l'espèce d'énergie qui renvoie toujours à celui que ses amis appelaient le gros Henri, parce que vous savez que Stendhal s'appelait Henri Bell, et qui finira modeste consul de France dans le port romain de Civitavecchia. On ne peut pas dire que c'est par la surprise et le ravissement de l'intrigue qu'il nous attache le plus. C'est par l'extraordinaire capacité qu'il a de rendre un ton, une époque, une arrière-pensée, des motivations, et de construire comme une partie d'échec amoureuse les relations que ces personnages qui s'appellent Lucien, qui s'appellent Fabrice, qui s'appellent Julien, mais qui sont toujours un peu des projections imaginaires, idéales de Stendhal lui-même. Quant à Flaubert, on peut dire que son sujet, c'est plutôt le temps et la grammaire que les histoires qu'il raconte. Vous savez qu'il a choisi, par exemple, Flaubert comme son premier roman publié significatif, Madame Bovary. Il a choisi un sujet à dessein parce qu'il le considérait comme nul. Nul ne voulant peut-être pas dire à l'époque ce qu'on entend par nul dans une cour de récré quand on dit non, ça c'est trop nul, mais voulant dire un sujet, le degré zéro du sujet. Il a pris un fait divers, ça se passe à Rouen, hein, sous la pluie, avec une femme pas très maligne et à la tête farcie de mauvais romans, qui tombe amoureux, qui est marié à un médecin au pied beau qui n'est pas très doué, qui ne la rend pas heureuse, et qui tombe amoureux de tour à tour de deux plutôt quasi gigolos, et qui finit par se suicider. L'histoire de Madame Bovary, du point de vue de Flaubert, non seulement n'est pas intéressante, mais ne doit pas être intéressante en soi, considérée comme intrigue, elle doit être un contexte pour faire ce que Flaubert veut réellement réussir, et qui est, disons, pour faire court, le rapport, la description à travers des moyens grammaticaux du destin. Ce que nous raconte Madame Bovary, ce n'est pas l'histoire de Madame Bovary, c'est la façon dont le destin écrase les malheureuses marionnettes humaines. Je pense que si Flaubert devait résumer avec le langage aujourd'hui ce qu'il a essayé de faire, ce serait quelque chose comme ça. D'où la particularité. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de développer quelques phrases sur Flaubert alors que ce n'est pas notre sujet, mais tout est dans tout. D'où la particularité de l'écriture flaubertienne, du style flaubertien, qui est par exemple qu'il utilise les imparfaits d'une manière que personne n'a jamais, dont personne n'a jamais usé avant lui. Et ces imparfaits, qui normalement servent à figurer la répétition ou la durée, hein, dans l'usage courant qu'on fait de l'imparfait, chez Flaubert, signifie des événements singuliers, mais qui, de longue main, étaient prévus par quelque chose qu'on pourrait appeler le destin. Et d'autre part, il a une utilisation très particulière des adverbes qu'il met assez généralement à la fin de la phrase,
Hein. Vous savez qu'en français, les adverbes finissent souvent en « ment hein, » pour produire un son sourd et j'ai envie de dire funèbre, sur la fin de la phrase. Il y a là, non pas dans Madame Bovary, mais dans Trois Contes, il y a le texte qui s'appelle Hérodias, la nouvelle qui s'appelle Hérodias, où il s'agit de la décapitation, à la fin de la décapitation de Saint Jean-Baptiste, et on confie à deux gardes d'emporter cette tête qui a été coupée. Et la dernière phrase, c'est « comme elle était très lourde, la tête, comme elle était très lourde, il la portait alternativement ». Et ça finit le conte, et ça finit le livre. Et donc, c'est pour des effets comme ça que Flaubert écrit. Parce que ce qu'on entend, c'est le bruit de la plaque de marbre qui se referme sur la tombe de, ce qu'on entend métaphoriquement, je veux dire, sur la tombe de Saint Jean-Baptiste. Comme elle était très lourde, il la portait alternativement. On ne pense pas que Flaubert veuille vraiment décrire une tête si lourde qu'il faudrait se la refiler comme si c'était une tête en marbre. Ce n'est pas ça le sujet. C'est la vraie raison d'être de cette phrase, c'est la place du mot alternativement à la fin de la phrase. Dans une œuvre majeure, même si sa fonction principale, comme dans le cas de la Recherche du temps perdu, est une fonction romanesque, il y a différents aspects, différents dispositifs, différents registres qui jouent. On peut dire que la Recherche du temps perdu est à la fois un roman, à la fois un ouvrage de philosophie, tout ce qui est mis en scène de philosophie facile et immédiatement perceptible, tout ce qui est mis en scène sur le fonctionnement de la mémoire et sur l'usage du temps, hein, qui est l'apport, je dirais, intellectuel que représente le livre. Il y a l'aspect moraliste, les intermittences du cœur, le fonctionnement de l'amour, on y reviendra. Et puis, il y a la dimension poétique, hein, là, une certaine façon de capter le son ferrugineux des clochettes, l'odeur des aubépines, la couleur de des fraises écrasées avec de la crème, et des tas d'autres choses, les saveurs du goût, du cœur, de l'acidité, de l'amertume dans la bouche, toutes sortes de choses. Hein. La vision, tout d'un coup, de la mer comme si elle était toutes les mers en une seule. Toutes ces choses qui sont de l'ordre de la captation poétique et qui est peut-être ce par quoi une grande œuvre devient une œuvre éblouissante. Hein. Ce par quoi, peut-être, Proust n'est pas seulement un grand romancier ou un grand écrivain, mais une rencontre majeure, parce que évidemment, quand on entre dans cette œuvre et qu'on la parcourt tout entière, et puis qu'éventuellement, quelques années après, on y retourne et on la reparcourt à nouveau, et sur une œuvre aussi longue, elle fait 3000 pages, on redécouvre toujours de nouvelles choses, on se dote d'un instrument de vision et de compréhension du monde, hein, qui n'est pas sa fonction principale, mais qui est le cadeau qu'on reçoit en plus du plaisir qu'on peut avoir à lire cet ouvrage qui mêle les connotations sur l'amour, les raisonnements sur le temps, les descriptions des comportements sociaux, la cristallisation des personnages, les chagrins d'amour et les bonheurs de l'amour, et de façon générale, les saveurs de la première fois. Le sujet poétique derrière tout ce que je viens de vous dire, c'est évidemment retrouver les sensations perdues comme si c'était pour la première fois, comme si on les éprouvait pour la première fois, sauf qu'elles sont augmentées de l'espèce de douceur singulière et terrible de la répétition, de la mémoire, de la retrouvaille. Je disais que quand paraît ce livre, beaucoup de gens n'y comprennent rien, ou célèbrent ce livre ou le félicitent d'avoir été écrit, pour des raisons qui sont secondaires, souvenirs d'enfance, écriture, etc. Et il y a beaucoup d'incompréhension, à tel point, par exemple, que le plus célèbre critique littéraire de l'époque, qui s'appelait Paul Soudet, et qui écrivait dans le grand journal du soir, l'ancêtre du journal Le Monde, qui s'appelait Le Temps, gronde un peu Proust à distance, puisqu'ils ne se connaissent pas, pour avoir trop consacré de temps à des détails, pour avoir sacrifié le fil principal du récit à trop de notations, trop de circonstances, trop d'arrière-pensée, trop de petites captations du pétiment du monde. Alors que, évidemment, c'est cela même que Proust essaie de faire. Ce n'est pas quelque chose en plus, mais c'est le ressort de la machine de son œuvre en train de se préparer.
D'ailleurs, ce Paul Soudet, ce qui est assez amusant, reproche à Proust une série de fautes de frappe, de coquilles, qui se trouvent dans le roman, hein, et se plaint, gémit, en disant « Ah, les jeunes ne savent plus écrire ». Proust a 42 ans, mais c'est encore un jeune, d'autant plus qu'il il commence seulement ses publications visibles, ou très visibles. Hein. Il serait important que les maisons d'édition se dotent d'un vieux normalien pour vérifier la grammaire des auteurs. Et en plus, c'est beaucoup trop foisonnant. On peut vraiment dire, comme Horace, « materiam superabat opus », hein, », ça veut dire « il y a trop de matériaux pour l'œuvre ». Et ce qui ne mesure pas, et ce que bien peu de personnes peuvent mesurer à ce moment-là, c'est que non seulement Proust sait parfaitement ce qu'il fait, mais qu'à tous les niveaux, il est au point. C'est-à-dire que sa force de frappe littéraire est aussi une force de frappe tout court. La lettre qu'il envoie à Soudet et qui est réunie dans la correspondance générale est très amusante de ce point de vue-là, non pas à cause de l'anecdote, mais à cause de l'affirmation du projet et aussi sa capacité à répondre en portant l'action sur l'essentiel. Il explique à Soudet ce qu'il a réellement voulu faire. Il fait semblant de remercier pour les rares compliments qui se trouve dans l'article. Il dit « Mais vous savez, les fautes de frappe, j'y suis pour rien. Hein, quand j'ai vu que dans votre article, M. Proust a écrit une grand roman, je n'ai pas pensé que vous ignoriez que roman était du genre masculin. Hein. De la même façon, il serait bien étonnant que j'ignorasse la règle des participes passés. Mon livre peut ne... Réceller aucun talent, mais il rend invraisemblable que je ne connaisse pas la syntaxe ordinaire. Je vous assure, le vieux normalien, il aurait beaucoup de loisirs avec moi. Il pourrait profiter d'une partie de ses loisirs pour vérifier vos citations latines. Il vous dirait par exemple que « materiam superabat opus » a été prononcé non pas par Horace mais par Ovide, et accessoirement que ce n'était pas du tout un reproche, mais qu'au contraire, c'était un éloge pour dire « c'est tellement riche ce livre, cette œuvre, qu'on est épaté par le foisonnement ». Et si je vous cite ça, j'aime bien cette petite leçon donnée par un écrivain à un critique important, mais c'est aussi pour dire le Proust est l'écrivain lucide par excellence. Il y a sans doute dans l'histoire de la littérature des grands écrivains intuitifs et pas très malins et des grands écrivains intelligents. À l'évidence, Proust, où qu'on porte son regard, dans sa correspondance, dans son œuvre, dans les actions de sa vie, dans ses articles, etc., la première chose qui frappe, à part l'immensité de son talent, la deuxième chose, donc, c'est la vivacité, la justesse, la prestesse et la quasi-universalité de son intelligence. C'est vraiment, par rapport à la réputation qu'on fait parfois à Proust d'avoir été une espèce d'écrivain déliquescent qui gisait dans son lit et qui écrivait des œuvres liées aux souvenirs, c'est le contraire absolu que nous révèle la fréquentation de Proust, soit la fréquentation de son œuvre, soit la fréquentation de ce qu'on peut savoir de sa vie et de son fonctionnement, notamment à travers sa vaste correspondance. Il était d'ailleurs, Proust, de l'avis de quelques personnes qui l'ont connu, dont Paul Morand, qui, jeune attaché d'ambassade, l'avait rencontré et lui rendait visite chez lui de temps à autre. Il était aussi, Proust, d'une énergie incroyable. On croit que parce qu'il a écrit couché au lit dans la fumée des fumigations qu'il produisait pour lutter contre son asthme, il était faible et peu énergique. Or, on est frappé de l'idée de quelqu'un qui, couché, asthmatique, souvent très malade, a produit cette œuvre sans fléchissement pendant des années et a renouvelé un certain nombre de choses dans l'approche langagière, littéraire, narrative, poétique qu'on pouvait imaginer sur base des œuvres antérieures de la littérature. Morand, d'ailleurs, dit aussi que même physiquement, Proust, contrairement à l'idée reçue, était très énergique. Et il raconte cette anecdote qui est surprenante par rapport à l'idée que la plupart d'entre nous se font de Proust. Un jour, durant la guerre, à l'hôtel de Ritz, qui était un des seuls hôtels qui était ouvert à cause du couvre-feu, et où Proust de temps en temps se rendait en s'arrachant péniblement à son lit
pour avoir quelques rendez-vous. Il sort très tard avec Morand lui-même de l'hôtel Ritz pour rentrer chez lui. Et pour... Il n'y avait qu'un seul taxi. Il s'approche du taxi. Et là, il y a un Américain. On était en 1917. Les Américains étaient arrivés à la fin de 1917, au tout début de 1918. Il y a un Américain qui s'approche et qui ouvre la portière et qui rentre le taxi. Et alors, dit Morand, à ma vive surprise, Proust, qui était à moitié mourant et qui tenait à peine debout, a ouvert l'autre portière et a flanqué son poing à la figure de l'Américain qui est parti. Et donc, ça, cette anecdote est délicieuse, mais en plus, elle est vraie. Morand a vraiment bien connu Proust. Et elle est intéressante aussi parce qu'elle renouvelle un petit peu l'idée du chevalier à triste figure qu'on essaye de nous vendre depuis un siècle. Quand on entend parler de Proust, surtout ceux qui ne l'ont pas lu, on entend dire que c'est long et fastidieux, alors que c'est incroyablement preste et d'une vivacité étonnante, que lui-même était relativement déliquescent, alors qu'il était l'énergie même, même si c'était une énergie qui passait plus de temps couché à écrire qu'à faire du sport, bien sûr. Il est difficile de rencontrer quelqu'un de moins sportif que Proust. Mais le travail long terme de jour et de nuit est aussi une sorte de sport. Et je n'insiste pas sur cet aspect-là, mais sa réputation d'homosexualité devrait être révisée à la baisse parce qu'il n'est pas bien sûr que l'activité homosexuelle de Proust ait été effective. Que ce soit, c'était quelqu'un qui avait des grandes amitiés passionnées, c'est certain qu'il a eu une amitié de type amoureuse avec deux, trois personnes, dont le compositeur Reynaldo Hahn, dont Lucien Daudet, le fils de Alphonse Daudet, ou avec le célèbre et surestimé Alfred Agostinelli. Mais, on y reviendra sur Alfred, mais en réalité, ce qui apparaît plutôt sous bénéfice d'inventaire, c'est que Proust était, je pense, hyposexué, et que l'activité sexuelle n'a jamais dû dépasser beaucoup chez lui certaines pratiques masturbatoires. Il le dit pas sous ces termes-là, mais dans une de ses lettres, il signale que au-dessus de chez lui, il y a un jeune couple marié qui s'est installé et qui passe son temps à, à baiser au-dessus de sa tête, ce qui l'agace très fort, hein, parce qu'il a mis des plaques de liège sous ses murs pour se protéger du bruit, mais n'a pas pensé à en faire mettre à son plafond, et c'est de ce plafond que j'ai. Et il dit dans sa lettre, je ne comprends pas cette obstination, moi qui attache plus d'importance à la saveur d'une gorgée de bière qu'à toutes ces... Ce qui n'est pas, alors que rien ne le force à dire ça, ce qui n'est pas un aveu d'obsession sexuelle, qu'elle soit homosexuelle. Quant à la judéité de Proust, on peut dire que c'est une œuvre où le fait juif ne joue aucun rôle. Il est indubitable que la mère de Proust était juive, elle s'appelait Jeanne Weill. Il est certain que Proust, qui était un fils aimant et respectueux, respectait à travers elle la judéité. Mais il est certain aussi que dans ses livres, il n'est question que d'église, que tous les rituels, toutes les métaphores, toutes les toiles sont liées plutôt au domaine chrétien, non pas qu'il ait été chrétien lui-même, mais parce que c'est le contexte dans lequel se déroule la vie au XXe siècle en France comme en Belgique, et que c'est il décrit la vie. Et quand on mange quelque chose dans l'Archer du Temps Perdu, c'est du bœuf en gelée, c'est pas ou du jambon de York que la vieille domestique appelle du jambon de New York, parce qu'elle croit que c'est la même chose. Et comme elle ne sait pas comment on prononce le new, elle prononce Neve, donc elle précise bien, allez me chercher du jambon de Neve York. C'est du jambon de York et non pas, par exemple, de la carpe farcie. Ceci est anecdotique, mais c'est important de comprendre aussi que ce n'est pas parce qu'on appartient à une certaine lignée qu'on est le représentant de cette lignée. Moi, quand ça m'arrive de me retrouver dans un lointain étranger et qu'on me dit qu'est-ce qui se passe en Belgique, je suis toujours épaté par la naïveté de cette demande. Ce n'est pas le fait d'habiter en Belgique qui rend compétence pour expliquer les mouvements sociaux, l'histoire politique ou n'importe quoi. C'est deux catégories différentes. Bon. Et manifestement, la catégorie dans laquelle s'exerce le talent de Proust, son considérable talent, c'est la littérature en tant qu'elle peut tout,
C'est-à-dire qu'elle n'a pas de limite, qu'elle n'est pas juste une façon de raconter une histoire, qu'elle est aussi une façon de ne pas la raconter ou de la raconter si différemment qu'elle devient une autre histoire, et non pas le témoignage ou l'appartenance ou de façon générale une forme quelconque de représentation religieuse ou politique. Il y a quand même quelque chose de merveilleux, c'est que quand paraît une œuvre nouvelle, très souvent, cette œuvre ne passe pas non plus tout à fait inaperçue. Et une des grandes joies de Proust, quelques jours après l'apparition du côté de chez Swann, c'est cet article qui paraît dans le Figaro, et que j'ai envie de vous lire un petit extrait, parce que je trouve que c'est presque aussi beau dans son genre que l'article que Stendhal a trouvé après avoir publié La Chartreuse de Parme, et qui est un long article d'une cinquantaine de pages dans une revue qui est écrit par Balzac. Il y a parfois des rencontres merveilleuses ainsi. Alors ici, ce n'est pas Balzac ou quelqu'un du niveau de Balzac qui écrit cet article. C'est justement quelqu'un qui connaît bien Proust, parce qu'ils ont été amis de leur jeunesse, c'est Lucien Daudet, dont je vous parlais tout à l'heure, le fils d'Alphonse Daudet, et le frère du polémiste Léon Daudet. Mais s'il y a eu une liaison ou quelque chose comme un attachement sentimental entre Lucien Daudet et Proust, c'était il y a fort longtemps. Il n'en est plus question et il ne reste là que des questions de talent et d'amitié. Donc Proust lit dans le Figaro des phrases comme celle-là. « Jamais je crois l'analyse de tout ce qu'on trouve, de tout ce dont est composée notre existence ne fut poussée aussi loin. Pour trouver l'exemple d'une telle pénétration, peut-être pourrait-on citer George Meredith, certaines pages de l'égoïste ou d'Amazing Marriage, mais la fréquente obscurité de Meredith nous déroute quelquefois, tandis que l'analyse de M. Proust, connaissant l'inconnaissable, expliquant l'inexplicable, est d'une telle clarté qu'elle fait songer à l'éther pur et bleu de certains soirs d'été, lequel, pour la sagacité des astronomes qui en connaissent le miracle sans hasard, et pour l'ignorance du public dominical qui en aime seulement le tiède vélum apparent, et cette diversité dissemblablement accessible à tous, le ciel. Je n'ai jamais compris la docile et constante erreur d'optique intellectuelle qui consiste à ne témoigner une certaine qualité d'enthousiasme que rétrospectivement à ceux qui ne sont plus et refusent ce privilège sans restriction à nos contemporains, surtout s'ils sont jeunes. Crainte de se tromper, habitude, il est pourtant si simple de dire que plus tard, beaucoup plus tard, lorsqu'on parlera du livre de Marcel Proust, il apparaîtra comme une extraordinaire manifestation d'intelligence au XXe siècle. Je saute des passages et je vous lis la fin. Tout chef-d'œuvre, et manifestement il a qualifié ce livre de chef-d'œuvre, est un grand cri précurseur rassemblant par-delà le temps dans le gel noir de l'éternité les autres chefs-d'œuvre à venir. Proust est... qui savait vaguement que Lucien Daudet allait écrire un article et absolument renversé. Je me réveille à peu près mourant. C'était un peu un leitmotiv dans la correspondance de Proust. Toutes les semaines, on voit ses lettres où il annonce qu'il est mourant. Morand le taquinait. Morand a d'ailleurs écrit un poème qui s'appelle Ode à Marcel Proust, où il y a des vers, c'est un poème en vers libre, comme ça. Je lui dis, vous avez l'air de vous porter très bien. Il répond, cher ami, j'ai failli mourir trois fois cette nuit. Donc, il y a quelque chose. Proust est effectivement en mauvaise santé, et d'ailleurs, il est mort, comme vous le savez, à 51 ans, en 1922. Mais il est probable aussi qu'il se servait de sa maladie, de sa faiblesse, pour se protéger. À partir de 1912-1913, il est vraiment... confiné, on va revenir sur cette notion de confinement, confiné dans ses appartements successifs et refuser des visites, c'est pas toujours facile. Alors sa correspondance souvent dit des choses du genre « J'aurais eu un tel plaisir à vous revoir lors de cette matinée, mais cher ami, j'ai failli mourir trois fois cette nuit et je suis dans un tel état de faiblesse que ma main peut à peine tenir ma plume tandis que je vous écris. » Après ça, il écrit des lettres qui font parfois 10 pages et qui finissent abruptement « je m'arrête car je n'en peux plus », etc. Le mélange d'énergie et d'annonce d'une extrême faiblesse
tient en partie au fait que c'est une énergie nerveuse et pas une énergie constitutive, mais tient aussi au fait que il faut avoir un intérieur et un extérieur quand on fait une œuvre. Et annoncer qu'on est mourant, qu'on est malade, qu'on ne peut voir personne, c'est empêcher que l'extérieur, hein, comme dans un sous-marin, fasse eau de toutes parts. Proust est d'ailleurs est surtout frappé par le fait que Lucien Daudet repère la nature de son œuvre et la qualifie à travers cette métaphore du tiède vélum bleu apparent pour qualifier le ciel qui est à la fois une signification, une réalité physico-chimique et une sorte de ravissement poétique. Il comprend que c'est là, cette ambivalence-là qui est la matière même de l'œuvre proustienne. Et Proust ne s'y trompe pas, lui dit la liquidité bleue, vernie, dorée du mauvais homme, etc. Il reprend exactement le mauvais homme servant non pas à sursaturer ce mot, mais à définir à travers une série d'adjectifs qui précèdent et qui accompagnent le substantif vellum à définir la manière même de Proust. Donc il y a une sorte de rencontre remarquable. D'où vient cette œuvre qui surgit ainsi et qui n'est reconnue que par quelques-uns? Elle vient évidemment d'un travail préparatoire qui tient essentiellement au fait que Proust a toujours su qu'il voulait être écrivain, mais comme beaucoup de gens, il n'a pas su tout de suite écrivain de quoi. Il n'a pas eu la compréhension immédiate de ce que serait ce roman. Et d'ailleurs, même en 1913, il n'a encore, même s'il est au point et si son premier livre est en quelque sorte parfait et total, comme je vous disais, au sens où je vous disais, il ne sait pas encore du tout ce que va devenir ce livre. Il a commencé à écrire ce qui serait La recherche du temps perdu en 1908. Il meurt, le livre étant à peu près achevé, en 1922. Donc c'est une longue période, mais ce n'est pas une lecture, ce n'est pas une période interminable, hein, si on considère, ça fait quoi, 14 ans pas tout à fait. Ce n'est pas une durée interminable si on pense que c'est un énorme roman, et surtout que c'est un énorme effort, que la combinaison, la construction, les leitmotifs, les croisements de thématiques qui disparaissent et qui réapparaissent, supposent un travail qui ne peut pas être raccourci particulièrement. Mais il y a une autre circonstance, c'est que quand il publie Du côté de chez Swann en 1913, il croit que son livre est fini et qu'il aura 3 volumes. Il pensait même qu'il y aurait 2 volumes, Le temps perdu et Le temps retrouvé. Et puis il est apparu clairement qu'il en faudrait au moins 3, ne fût-ce que parce que c'était trop long à figurer en 2 volumes, même en 3. Ça supposait de gros volumes de 700 à 800 pages. Alors, l'éditeur qu'il a trouvé, après avoir été refusé chez Ohlendorf et à l'NRF, la future maison Gallimard, et à l'NRF, il a toujours été persuadé que son livre a été refusé sans avoir été lu, parce que Gide, qui était un des fondateurs et la force occulte de la NRF, avait dit qu'il fallait le refuser. Gide avait, comme tout le monde, des qualités et des défauts, mais nous savons à quel point il pouvait être mesquin et à quel point la fascination qu'il avait pour sa propre figure l'amenait à essayer de faire le vide autour de lui dès qu'il s'agissait non pas d'œuvres intéressantes, mais de grands auteurs qui auraient été en rivalité avec lui. Il avait essayé de faire le coup avec Claudel, mais seulement Claudel, un, ne se laissait pas compter. Deux étaient dans un autre registre, puisqu'il était surtout du côté du théâtre. Et trois, il était consul, puis ambassadeur en poste à l'étranger. Donc, il ne faisait pas beaucoup d'ombre à Gide. Tandis que Proust arrive en apparence seulement, sur le même terrain que lui. Hein. L'émotion poétique, la sensibilité, la représentation du monde sous une forme pas tout à fait réaliste. Et accessoirement, ils sont tous les deux aussi sur le terrain plus ou moins homosexuel, sauf que pour Proust, l'homosexualité ne compte pas comme un attribut particulier de l'auteur, mais comme un sujet parmi d'autres à l'intérieur de la recherche du temps perdu. Et les amours du narrateur sont toujours des amours féminins. C'est ce que Gide, avec ses ruses et ses arrière-pensées de protestantes, il savait qu'il se décrivait lui-même comme un enfant qui s'amuse et un passeur protestant qui s'ennuie.
Gide voit une sorte de rivalité possible et donc il fait refuser le manuscrit. L'avantage de ce refus, c'est que du coup, Proust va publier le premier volume à compte d'auteur en 1913 chez Bernard Grasset. Bernard Grasset, qui deviendra par la suite le grand rival de Gallimard dans l'édition française de l'entre-deux-guerres, et lui aussi un éditeur qui commence. Il a pris le livre sans trop l'avoir lu, en poussant un peu des hauts cris sur la longueur du manuscrit qu'on lui remettait. Mais parce que Proust lui avait fait dire par leur intermédiaire qu'il payait tous les frais. Bon. Proust, sans être richissime, avait une certaine aisance. Son père était un grand médecin réputé. Sa mère était une fille de financiers relativement fortunés. Donc, il est assez à l'aise. Il le sera de moins en moins parce que de temps en temps, quand il sort de son écriture, il a des lubies comme d'acheter des actions en bourse et il se fait toujours plus ou moins entubé. Donc, il est à certains moments au bord de la ruine. Mais enfin, de façon générale, il peut parfaitement payer l'édition d'un livre et c'est pour ça que ça paraît chez Grasset. La vive surprise de Grasset, le livre marche assez bien, il finit par avoir des articles, même si ce sont des articles relativement mitigés. Et il fait savoir qu'il publiera le deuxième volume, mais éventuellement le troisième, s'il y en a un troisième, en 1914. Donc c'est prévu pour novembre 1914. Comme vous le savez, ou comme vous le devinez, et un certain nombre de circonstances, dont la guerre, se produisent et vont retarder indéfiniment, enfin pas indéfiniment, mais pendant près de 5 ans, l'apparition du deuxième volume. Et c'est évidemment une des grandes chances de La Recherche du Temps Perdu, et donc une des grandes chances de Proust lui-même, c'est que l'œuvre qui était différente de ce qu'elle est devenue. C'est que l'œuvre va se restructurer d'une part, et surtout se gonfler, se développer. Les 2 puis 3 volumes vont en devenir 8, et La Recherche du Temps Perdu va, comment dire, se diriger, diverger de ce que disait le plan de 1913. On a dans la première édition du côté de chez Swann, chez Grasset en 1913, il y a le résumé, pas tout à fait résumé, mais le plan, la table des matières du deuxième, éventuellement du troisième volume. Et quand on lit cette table des matières aujourd'hui, on voit, si on est suffisamment versé dans l'œuvre de Proust, on voit de quoi il s'agit, mais on voit aussi que c'est comme les pointillés de ce qui allait devenir La Recherche du Temps Perdu au sens où nous l'entendons maintenant. Peut-être qu'en longueur, ça faisait une grosse moitié de ce que ça représente aujourd'hui, et en dimension, en dispositif, en enchâssement de nouvelles perspectives, de nouveaux couloirs, du temps et de l'espace, prend une forme tout à fait particulière. Vers la fin de sa vie, Proust aimera dire que son œuvre est écrite comme une cathédrale avec un porche, un transept, des absides, des clochers, des rosaces, etc. Mais il faut considérer ça comme une métaphore. Je pense que, bien sûr, l'œuvre a une sorte de GPS central qui permet de s'organiser, de se diriger, de se construire et de digérer les développements nouveaux qui vont avoir lieu entre 1913 et 1919, année où paraît le second volume. Il y a quand même aussi l'effet de pilotage automatique. Écrivant, reprenant ses manuscrits, les développements, Proust découvre qu'il y a autre chose à dire, autre chose à faire, plus loin aller dans des tas de dimensions. Et donc l'œuvre se déploie, hein, comme une de ces fleurs japonaises dont il aimait parler, qu'on jette dans l'eau et qui fourmille de couleurs, de pétales qui semblent pousser de l'eau elle-même. L'avantage, évidemment, pour Proust d'avoir connu la guerre, ce n'est pas la guerre elle-même, c'est la coupure avec le projet initial et c'est ce confinement forcé, on va y revenir, qui va durer 4 ans et à l'occasion de laquelle, comme tout grand écrivain, hier comme aujourd'hui, s'il y avait un autre confinement et qu'il y avait d'autres grands écrivains en germe, on peut espérer que ce soit l'aspect bénéfique, qu'au moins, s'il faut une guerre, au moins, s'il faut
une pandémie avec tous ses affreux dommages directs ou collatéraux, qu'il y ait aussi, à un autre niveau de du bonus-malus de l'existence, des effets positifs. En tout cas, pour l'histoire de la littérature, maintenant que la guerre de 14-18 est finie et que même les survivants sont morts de vieillesse depuis là, on peut dire que ça a été, de ce point de vue-là uniquement, vous me comprenez bien, une aubaine. L'autre aubaine est tout aussi désastreuse et tout aussi nécessaire, c'est que là, du côté de chez Swann et dans le volume suivant, il y a qui raconte essentiellement les circonstances de vie du narrateur durant l'enfance, c'est le côté Combray, Tante Léonie, premières impressions, le baiser de la mère, l'adolescence. Et durant l'adolescence, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Gilberte, et il a avec elle cette relation très particulière de jeu. Ils vont jouer ensemble dans les jardins des Champs-Élysées, et de désir amoureux. Il y a une scène, parfois c'est même un peu curieux, on a l'impression que c'est des enfants qui jouent à cache-cache, à Conamaillard, au bar, au cerceau, et tout ça. Et puis à un certain moment, ils sont dans l'adolescence sexuelle. Il y a un passage très précis où, alors qu'on imagine qu'ils ont 12 ou 13 ans, ils se mettent à lutter pour voir qui est le plus fort, le garçon ou la fille. Et puis à un moment donné, le narrateur est inondé de plaisir parce que les mouvements de la lutte l'ont fait jouir. Et Gilbert s'en rend compte et dit, pour être sûr qu'elle a bien compris, est-ce que vous voulez qu'on joue encore un peu ? Cette phrase-là, si on l'applique au jeu, au sens jeu enfantin dans une plaine des jeux, est mystérieux. Si on comprend que ce sont des adolescents en train de découvrir leur corps et les rapports entre les différences, notamment sexuelles, ça prend évidemment une forme d'innocence devenue didactique, d'innocence devenue savante, qui est une saveur particulière de notre propre expérience de la découverte amoureuse à cet âge-là, ou un peu plus tard. Le fil d'Ariane que le narrateur ne lâche jamais, et que Proust derrière lui tient en relève en partie de ce rapport particulier que Proust entretient avec l'histoire et avec le personnage du narrateur. Il y a quelque chose qui n'est pas facile à résoudre à 100%, mais on pourrait dire que le narrateur, celui qu'on appelle le narrateur, avec un N majuscule, tous les livres qui sont racontés à la première personne sont racontés par un narrateur, mais celui que dans l'histoire littéraire on appelle le narrateur avec un N, c'est le personnage qui dit « je » dans « La recherche du temps perdu » dès la première phrase. « Longtemps, je me suis couché de bonheur ». Il est frappant d'ailleurs de voir que quand Proust, dans sa correspondance, parle, notamment dans une lettre célèbre à un écrivain qui s'appelait Jacques de La Cretelle, parle de ce qui va arriver ensuite dans ses livres, ce qui va se passer ensuite, il le raconte au jeu. Par la suite, alors je me rendrai à Balbec et en me promenant sur la plage, j'apercevrai un groupe de jeunes filles. Or, le jeu qui est en train d'écrire la lettre, c'est clairement le jeu de Proust, l'auteur et l'écrivain et l'ami du destinataire. Mais le jeu qui aperçoit sur la plage de Balbec qui n'existe pas, hein, c'est disons, un facsimilé de la plage de Cabourg, mais à proprement parler, Balbec n'existe pas. Le jeu qui se promène sur la plage de Balbec et qui aperçoit un groupe de jeunes filles où il y aura Albertine, où il y aura André, qui elle-même, à proprement parler, n'existe pas, n'est pas le même. Donc il y a une espèce de confusion, même à l'intérieur d'une lettre qui n'est pas destinée à la publication, entre je, l'auteur, et je, l'écrivain. Et je, le personnage, je, le narrateur. Et dans le livre même, vers la fin, tout d'un coup, il y a cette phrase assez malicieuse de Proust, qui il parle de sa relation avec le grand amour de sa vie, qui s'appelle Albertine. On va y revenir. Il dit, et là c'est le roman qui parle, c'est plus une lettre de l'auteur, « Elle m'appelait souvent mon chéri, suivi de mon prénom. Ce qui, à supposer que le narrateur porte le même nom que l'auteur de ce livre, donnerait mon Marcel, mon chéri Marcel. » Donc là aussi, il y a cette étonnante ambiguïté. Alors on sait bien que la duchesse de Guermantes, que M. de Charlus, que Charles Swann et quelques-uns de ces centaines de personnages
Il y en a près d'un millier qui traversent la recherche du temps perdu. On sait bien qu'à proprement parler, ils n'existent pas au sens qu'on pourrait avoir leur photo hein, ou avoir leur extrait d'acte de naissance. Mais bien entendu, la proximité biographique de Proust avec les circonstances de fonctionnement et de rencontre et d'amour et de voyage du narrateur, cette proximité est quelque chose comme parabiographique, pourrait-on dire. On est toujours juste à côté. Ce n'est pas tout à fait quelque chose qui relèverait de la mémoire directe de ce qu'on a réellement effectué, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui serait sorti de l'imaginaire pur. Proust, c'est le contraire d'un métaphysicien. Il travaille sur la donnée immédiate de sa propre conscience, pour reprendre en le transformant un petit peu une expression de Bergson. Et c'est justement ça qui lui fournit ce fil d'Ariane à travers ses développements, à travers ces quatre catégories du moraliste, du philosophe, du poète et du romancier que représente la recherche du temps perdu, qui lui permet de ne jamais perdre le fil, de toujours, à chaque moment, à chaque phrase, à chaque fin de paragraphe, nous permettre de savoir exactement où il en est. Et du coup, le lecteur se retrouve par personne interposée comme quelqu'un qui suit une trace, un sillage dans la mer, mais avant qu'elle ne se referme, il sait que ce sillage ne disparaîtra jamais puisqu'il va renaître sans arrêt par le fait que l'auteur se souvienne, par le fait que le lecteur avance dans la découverte du livre. Il y a un sillage scintillant, un peu comme cette écume blanche d'un bateau qui ne se perd jamais, qui parfois semble se refermer et puis qui réapparaît aussitôt. La deuxième chance du fait qu'au premier volume en 1913 ne succède pas en 1914 comme initialement prévu le deuxième volume, la première chance, la guerre et la durée de publication du second volume qui permet de refaire un livre presque entièrement différent pour la suite prévue, c'est qu'en Proust, dont je vous ai dit qu'il était sans doute de tendance homosexuelle, mais pas clairement dans le jeu de la possession physique des relations sexuelles, que c'était plutôt toujours des variantes d'une sorte de passion platonique. Il rencontre à Balbec, c'est-à-dire à Cabourg, où il va encore, à cette époque, de temps en temps, passer des vacances comme il le faisait avec sa famille quand il était plus jeune. Il rencontre un chauffeur de taxi, un jeune garçon qui a une bonne vingtaine d'années, qui s'appelle Alfred Acostinelli, et qui, l'année suivante, en 1913 précisément, l'année où va paraître le premier tome de la recherche, contacte Proust en disant « Voilà, j'ai perdu mon emploi de chauffeur de taxi, je sais que vous avez besoin d'un chauffeur. » Proust, évidemment, inutile de dire, ne savait pas conduire, il ne savait pas faire autre chose qu'écrire, lire et penser, ce qui est déjà beaucoup, mais disons, il n'était pas... C'est pas du genre à sauter en parachute ou à faire le tour du monde comme son ami Paul Morand. Proust lui répond qu'il n'a pas besoin d'un chauffeur parce qu'il en a déjà un, mais pour lui rendre service, il veut bien l'engager comme secrétaire. Alors, ce jeune garçon arrive avec sa compagne, qui s'appelle Anna. Proust l'installe chez lui. Et apparemment, on devient suffisamment épris pour que la situation soit un peu gênante de cet appartement qui est grand, mais qui n'est quand même pas le château de Versailles, où vit un garçon qui est censé être secrétaire, mais qui n'a pas une orthographe suffisante pour être un secrétaire véritable, même s'il a certains dons d'expression et d'écriture. Une maîtresse un peu sauvage qui se demande ce qu'elle fait là, dans cet appartement qui sent le liège et le vieux bouchon un peu partout. Hein. Et qui est terriblement encombré, parce que Proust ne jette jamais rien, il a récupéré les meubles de ses parents et les a entassés dans toutes les pièces de séjour. Donc il n'y a pratiquement que la cuisine, la chambre de sa gouvernante Céleste et sa propre chambre qui sont accessibles. Tout le reste est encombré presque jusqu'au plafond de meubles sous housse, etc. Et se diriger vers la chambre de Proust suppose une sorte de gymkhana où on louvoie entre les meubles recouverts de... Donc ça doit être assez curieux d'y vivre là. Et donc, pour différentes raisons, Alfred et sa maîtresse repartent. Proust essaye de le faire revenir
et pour lui permettre de bien réfléchir, comme Alfred est passionné par l'aviation et par les techniques modernes et a envie d'apprendre à voler. Proust lui fait donner à distance à Nice des leçons de pilotage et lui achète un aéroplane. C'est pratique quand même, évidemment. Il était prêt à lui acheter une voiture et comme il avait entendu dire que les Rolls-Royce c'était très bien, il était prêt à lui acheter une Rolls-Royce aussi. Donc ça suppose évidemment qu'il y a entre la générosité et les moyens matériels de l'assuré des rapports proportionnés. Et donc, grâce à ces leçons de pilotage et à cet avion, ce monoplan, ce biplan, je crois que c'est un monoplan, Alfred s'envole au-dessus de la mer et son appareil s'y engloutit. Et donc, Proust a son vrai grand chagrin amoureux, ou son vrai grand chagrin sentimental, et tout faisant farine au bon moulin, il va apporter à La Recherche du Temps Perdu ce qui manquait encore, une histoire d'amour qui ne soit pas liée à des aventures, à des récits secondaires, à des souvenirs d'enfance, au modèle de ce qu'a vécu Charles Swann avec Odette, mais à un coup au cœur qui est porté au narrateur et à partir duquel il va inventer le personnage d'Albertine et il va décrire toutes les circonvolutions de l'expérience amoureuse dans plusieurs volumes qui naissent réellement, eux, de cette période de guerre et du deuil de Proust et qui sont un ton nouveau dans La Recherche du Temps Perdu après la dimension poétique, après les premières expériences de la mémoire, après l'expérience du monde, les pittoresques des personnages, la découverte des raisons de la singularité d'un des personnages les plus fascinants de La Recherche qui s'appelle le Baron de Charlus. Il va y avoir dans les deux grands volumes La prisonnière et Albertine disparue, ce que Proust appelle les intermittences du cœur, et qui repose sur une vision assez pessimiste de l'amour, puisqu'il considère qu'il ne peut pas avoir d'amour véritable, puisque tout l'amour repose toujours sur un malentendu, que personne ne voit pour ce qu'il est l'être qu'il aime, qu'on aime à partir de constructions imaginaires qu'on fait sur base de quelques effets de réalité, pour retrouver, pour satisfaire son désir amoureux, mais qu'il y a toujours un décalage, et ce décalage est une forme de mensonge, mais incite aussi l'autre au mensonge, d'autant qu'il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre. Donc il est singulier de voir, par exemple, que pour Proust et pour le narrateur, quand quelqu'un tombe amoureux, sérieusement, pas une petite aventure, de quelqu'un d'autre, la première chose à faire, c'est par tous les moyens dissimuler absolument comme un secret mortel qu'on l'aime. Il faut absolument cacher, parce que si l'autre, peut-on dire en résumant un peu rapidement le point de vue de Proust sur cet aspect-là, si l'autre découvre qu'on ne veut pas juste passer des bons moments avec lui ou avec elle, mais qu'on l'aime, qu'on a au sens, disons, trisson et iseux du terme, alors, évidemment, on est perdu. Soit il vous quittera, soit il vous piétinera ou elle vous piétinera au pied, soit, en tout cas, elle n'aura qu'une idée, c'est de s'enfuir. Alors, il ne s'agit pas ici de discuter, savoir s'il n'y a pas d'autres formes de relations amoureuses que celle-là. À mon avis, oui. Ce pessimisme amoureux, qui est lié sans doute aussi à ce qu'on pourrait appeler la modestie proustienne, qui est un des hommes les plus extraordinaires dont on ait la trace par son talent littéraire et par sa merveilleuse intelligence, n'imagine jamais un instant, même dans sa propre vie, que s'il rencontre quelqu'un qui lui plaît, ce quelqu'un pourrait être intéressé par lui parce qu'il est remarquable. Il faut absolument cacher qu'on est amoureux et il faut essayer d'obtenir par des moyens biaisés un certain résultat amoureux. Obtenir un baiser, mais parce que ça n'a pas d'importance. Obtenir que quelqu'un vienne vivre chez vous, mais on veillera à ce qu'il ne soit dérangé par rien et qu'on ne l'importune qu'à des courts moments, évidemment, et aussi, dans une certaine mesure, en lui assurant une série de cadeaux ou de satisfactions morales ou de satisfactions intellectuelles qui l'emportent sur l'idée bête que certains amoureux plus rustiques que Proust peuvent avoir, qu'on pourrait plaire parce qu'on est beau garçon, parce qu'on fait bien l'amour ou des choses comme ça. Cela, évidemment, n'existe pas chez Proust parce qu'il croit
que ce qui produit l'amour, ce qui produit le miracle d'amour, les moments phosphorescents et joyeux de l'amour, est forcément un mensonge, et donc ce qui repose sur un mensonge ne peut pas durer, et que le premier jour est le meilleur jour d'amour, la plus grande apothéose d'une relation amoureuse, est forcément la veille de la destruction, de la perte et du chagrin. Mais cet aspect-là, qui est déjà présent à travers les relations que le personnage de Swann, qui est un des modèles du narrateur, à une génération de distance, ou les propres relations du narrateur adolescent avec Gilberte, cet aspect-là ne prendrait pas sa forme, sa force et son incroyable vivacité des profondeurs, si je peux m'exprimer ainsi, s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour représenter, au moment où il apparaissait clair pour Proust que l'archer du temps perdu allait virer, allait se déployer autrement, donc à la jointure entre 1913 et 1914, s'il n'y avait pas eu cette histoire d'amour qui commence en 1913 et qui finit tragiquement en 1914, et dont Proust, écrivain, tirera les parties. Pas seulement parce que le chagrin donne des idées ou est une source d'inspiration, mais parce qu'il considère ça comme une expérimentation en laboratoire douloureux, en laboratoire sensible, c'est-à-dire en lui-même, de ce qui lui paraissait être une forme de vérité de l'amour. Mais le livre ne s'arrête pas là, puisqu'il se poursuit et qu'il faut arriver vers le temps retrouvé, c'est-à-dire le moment où le narrateur commence à comprendre de quoi il s'agit réellement dans la vie et ce que pourrait être éventuellement le projet littéraire qui soutient son désir artistique si mal récompensé en apparence. Il y a quelque chose de l'ordre de la plaisanterie, l'espèce d'effet récurrent, qui ne vise pas à être comique, mais qui est comme la malice du texte, c'est que périodiquement, à travers toutes les aventures, les rencontres, les 100 personnages principaux que le narrateur fréquente, sans parler de tous les autres, parce qu'il y a une galerie de portraits absolument inouïe chez Proust, et avec la saveur particulière que Proust a, on peut dire, une sorte d'oreille absolue de la parole. C'est-à-dire qu'il est le seul écrivain que je connaisse qui fait parler, sans leur donner l'éthique de langage pour autant, qui fait parler, parce qu'il entend le tempo de leur voix et de leur esprit, tous ces personnages de manière différente. C'est clair que, même en restant des années sans lire l'Archer du temps perdu et en ne se souvenant plus des détails, si on vous lit une réplique de quelqu'un, pour un lecteur de Proust, il peut dire « ça c'est Swann, ça c'est Odette de Guermantes, ça c'est la princesse, ça c'est Madame de Villeparisis, ça c'est Charlus, ça c'est Cottard », parce qu'ils ont tous leur tempo. Tempo qui était déjà extraordinaire dans la période pré-parution du roman chez Proust, parce qu'une des choses qu'il a publiées en feuilleton quelques années auparavant et qu'on relit aujourd'hui avec une espèce de stupeur ravie, c'est des pastiches. Alors, les pastiches, ça n'a pas l'air d'être quelque chose d'aussi sérieux qu'un roman comme L'Archer du temps perdu, mais on peut dire que chez Proust, d'abord, les pastiches sont d'une qualité inouïe, renversante. Ils révèlent l'essence des auteurs qu'ils pastichent et pas juste la circulation superficielle. Mais surtout, on a l'impression qu'il a tellement bien capté les auteurs qu'il pourrait les reproduire indéfiniment, faire de nouvelles pages de Balzac, de Flaubert, d'Henri de Régnier, de Michelet, etc. Chaque fois qu'on lit, ce sont des passages relativement courts, qui font 2, 3, 4 pages, chaque fois qu'on lit un passage de Proust, on se dit deux choses. D'abord, c'est inouï. Comment est-il possible d'arriver chaque fois à un tel degré de perfection ? C'est entièrement lui, mais en concentré, évidemment. La deuxième chose, c'est on comprend mieux pourquoi les personnages de L'Archer du temps perdu ont une telle distinction, enfin, je veux dire, une telle dissemblance et pertinence particulière et individuelle, quand on comprend qu'un des talents de Proust, c'est de restituer les langages, comme il a été capable quelques années auparavant, de restituer les styles et les contenus des écrivains qu'il pastiche. C'est au fond le même talent que j'appelle une oreille langagère absolue. Le pastiche de Balzac, par exemple, je ne vais pas me rapprocher. Le pastiche de Balzac, par exemple, je n'ai malheureusement pas l'occasion de vous le lire, mais je vous engage
dans vos futures lectures, à acquérir le volume Pastiche et Mélange, où il y a la première partie, c'est les pastiches, hein, capte en quelques pages, qui sont censées être un roman, dans le ton et dans la période des illusions perdues, hein, où des personnages comme Lucien de Rubempré apparaissent, d'Arthez, etc. En quelques pages, il fait défiler les principaux personnages de la comédie humaine, il les fait parler, il les fait se rencontrer, mais il pastiche surtout, dans son essence, le style de Balzac. Par exemple, vous savez, pour ceux qui ont lu Balzac, dont Proust d'ailleurs n'était pas un inconditionnel, il y a un curieux mélange de plusieurs choses chez Balzac. Il y a un feuilletoniste chez Balzac, le père Goriot, le personnage de Vautrin, ce sont... Je suis un peu trop proche. Hein. Merci beaucoup. Le personnage de Vautrin, ce sont presque des personnages de romans d'aventure. Il y a des considérations sur la société. Il y a des relations extrêmement complexes entre les personnages. Il y a une espèce de déchirement lié au fait que la plupart des personnages, consciemment ou non, sauf quelques-uns, courent à leur perte. On a l'impression que tout ce qu'ils font, à partir d'un certain moment, participe à une conduite d'échec dont ils ne sont pas conscients, mais que le lecteur voit bien. Et puis, il y a un goût pour les notations bizarres, un mélange de vulgarité et de considérations sur les techniques, les mœurs, etc., qui fait un ensemble singulier. Proust capte admirablement bien cet ensemble hétéroclite qui fait à la fois la grandeur, la poésie et un peu la vulgarité et la lourdeur de Balzac. Par exemple, dans son pastiche, il fait intervenir, à propos d'une circonstance où il y a une révélation soudaine, le personnage récurrent de Madame Firmiani, et il note, Proust, pastiche en Balzac, « Madame Firmiani suait dans ses pantoufles un des chefs-d'œuvre de l'industrie polonaise ». Cette phrase, je la trouve très drôle. Évidemment, il faut le contexte, là, en vous l'insérant comme ça, je ne m'attends pas à ce que chacun d'entre nous éclate de rire, mais je la trouve très drôle parce qu'elle pastiche à la fois la notation factuelle et un peu vulgaire, suée dans ses pantoufles, hein, alors qu'un autre écrivain dirait son cœur se mit à battre, là il va tout de suite dans le prosaïque, et rebondir sur les pantoufles en disant que c'est un chef-d'œuvre de l'industrie polonaise. La combinaison des deux produit à la fois une sorte d'hilarité involontaire, volontaire chez Proust bien sûr, et à la fois un concentré, une espèce de montage singulier des différents aspects de la prose et de l'imaginaire balzacien. Enfin, ce genre de choses explique pourquoi, si la recherche du temps perdu volait en éclats et qu'on nous donnait plus que des fragments, des pages ou sur Internet, qu'on ne savait pas d'où venaient les pages qui surgissaient tout d'un coup sur notre imprimante parce que quelque chose se serait détraqué. En prenant les pages prises au hasard, chaque fois que quelqu'un parle, on pourrait, sans que le nom apparaisse même, reconstituer avec précision, avec certitude, qui parle et ce qu'il dit, ce qu'il fait. C'est peut-être par cette capacité à décrire des personnages et à les faire s'exprimer d'une manière qui n'appartient qu'à eux, c'est-à-dire à les singulariser dans la langue, et qu'est-ce qu'il y a de plus proche, de plus intime que nous-mêmes, que notre langage personnel, hein, c'est-à-dire la façon dont la langue en général devient notre langage en particulier, se servant, s'adossant à la langue pour nous exprimer à travers nos propres particularités. Si on peut faire ça, évidemment, non pas pour quelques personnages, mais pour des dizaines, voire des centaines, c'est quand on est un romancier par essence. Mais on est aussi, par cette façon de décrire les comportements amoureux, leur sens et leur revers, un moraliste par essence. Et on est aussi, par cette façon de concevoir l'éternité à travers l'expérience du temps, un philosophe. Parce que le sujet de La recherche du temps perdu, comme le titre l'annonce bien, c'est quand même un rapport au temps. Je vous disais qu'il y avait une malice chez Proust. Cette malice consiste à décrire un personnage qui, à travers tous les événements de sa vie, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, tels qu'ils apparaissent dans la recherche, se dit périodiquement « j'aimerais écrire, hein, si je pouvais écrire ». Et puis, peu à peu, à cette phrase-là se substitue, ce n'est pas les phrases mêmes, mais c'est le tempo, « maintenant que je savais que je n'étais pas doué pour écrire », maintenant que je savais que je n'écrirais jamais, que mon désir d'écrire était une illusion,
Mais pendant que le narrateur dit ça, il avance dans sa vie. Et pour qu'il avance dans sa vie, nous tournons les pages du livre. Et ce livre dont le narrateur nous dit presque jusqu'à la fin qu'il n'est pas doué pour l'écrire et qu'il n'écrira pas, est précisément celui que nous lisons et dans lequel cette phrase et ce point de vue se révèle. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qui est ce que j'appelle l'énorme malice. La malice, évidemment, c'est que à un certain moment, le narrateur va quand même devoir basculer dans l'écriture. On ne peut pas aller jusqu'au bout en lui faisant dire qu'il n'écrira jamais parce qu'il n'est pas doué pour écrire, tout en finissant le livre. Il y a un moment où les deux côtés, celui qui a peur de ne pas écrire et l'œuvre qui est en train de se faire et de se lire par le lecteur, que ces deux côtés se rencontrent. Et pour cela, Proust va mettre en jeu ce qu'il avait déjà imaginé, c'est-à-dire que la mémoire était l'instrument de circulation dans le temps, que le temps ne pouvait pas être perdu si la mémoire pouvait le revisiter tout entière, non pas dans le souvenir au sens intellectuel du terme, mais dans l'expression, dans l'expérience, de le revivre. Et il comprend évidemment que pour arriver à ça, c'est par l'œuvre d'art, c'est-à-dire par une certaine façon d'écrire les choses qui sont passées, de les restituer avec leurs intentions, avec leurs saveurs, avec leur odeur, leur bruit, l'état, l'ambiance, le cœur qu'on avait, la peau qu'on avait, le corps qu'on avait, le regard qu'on avait au moment où ces événements se sont produits. Et ça, ce n'est pas la mémoire, c'est l'œuvre d'art, l'écriture, à un certain niveau de densité poétique qui peut le faire. Il va avoir, au début du livre, une première impression qui lui donne le sentiment que parfois ce temps perdu peut être restitué instantanément, et c'est l'expérience célèbre de la Madeleine où, rentrant chez lui, il boit du thé chaud et il trempe un petit morceau de gâteau, et aussitôt il est comme arraché de son fauteuil, de sa vie, et comme aspiré dans un trou du temps à un endroit du passé où il est tout entier, présent, avec son corps d'alors, hein, et qui est l'enfance, chez tant de Lénonie, qui, certains soirs, lui faisait tremper un petit morceau de biscotte dans sa tisane et lui faisait goûter. Et ce goût a été le déclencheur, non pas d'un souvenir, mais d'une téléportation dans le temps. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Et à l'autre bout de l'archage du temps perdu, dans le temps retrouvé, il se passe quelque chose, et pour ça que le ressort poétique est fondamental, c'est qu'on est manifestement après la guerre. Le narrateur a passé quelques années dans, on n'en vit pas les détails, mais on l'apprend, dans une maison de repos, parce qu'il est très déprimé, il a perdu sa mère, sa grand-mère, etc. Et il décide de ressortir, on est dans le Paris de l'immédiat après-guerre, donc vers 1919. Il va à une soirée, à une matinée musicale qui se donne chez les Guermantes, dans une des familles mondaines que le narrateur fréquentait avant la guerre et dans sa jeunesse, et où va être donné un morceau de musique d'un musicien qu'il a toujours estimé, et qu'il a connu d'ailleurs très vaguement, sans savoir que c'était un grand musicien, qui s'appelle Vinteuil. Et en se dirigeant l'hôtel de Guermantes, il va avoir une série d'extases, le mot n'est pas trop fort, qui vont tout d'un coup lui révéler de quoi il s'agit réellement, et que le moteur, ce déclencheur dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est ce que Proust appelle la mémoire volontaire. C'est-à-dire la mémoire qui n'est pas liée à un effort de se souvenir. Qu'est-ce que je faisais bien à cette époque-là? Où est-ce que j'allais? À quoi ressemblait le papier peint de ma chambre d'hôtel? Ce n'est pas cette mémoire-là qui intéresse Proust. C'est ce qui tout d'un coup surgit et, comme je le disais, restitue totalement en quatre dimensions un moment du passé, un bloc de temps pur du passé, ou si on préfère, arrache complètement au présent la personne à qui ça arrive pour le reporter dans les circonstances antérieures. Et à un moment donné, il entend une sonnette et ça lui rappelle, avec ce bruit clair, répété, ferrugineux, la petite sonnette qui se déclenchait l'entrée de la maison de Satan Léonie quand il était enfant. Puis il trébuche sur un pavé dans la cour de l'hôtel de Guermantes, et il retrouve exactement le choc du pavé et
tout ce qui était autour de ce pavé, la ville, la mer, etc., qui lui est arrivé un jour qu'il traversait à pied la place Saint-Marc à Venise. Et puis, comme il arrive en retard, comme toujours, on le fait attendre dans un petit salon, qu'il y ait une pause, dans un entracte dans la matinée musicale, et on lui apporte une tasse de thé, et il s'essuie les lèvres avec une serviette empesée à mi-donner. Et aussitôt, il est arraché pour une troisième fois au présent, pour être reporté dans la salle à manger donnant sur la mer du grand hôtel de Balbec où il allait quand il était adolescent et qu'il connaissait ses premières amours. Et il commence à se dire, mais voilà, c'est ça la nature de l'œuvre d'art et de ce que je peux faire, c'est mettre en scène, mettre en forme, mettre en machine, mettre en émotion perpétuelle cette capacité que la mémoire involontaire donne de se reporter, de se retrouver, de revivre une autre époque que la sienne, de revivre réellement à tous les sens du terme, et pas seulement dans le souvenir, mais dans son corps, dans son âme, dans ses cinq sens, des moments antérieurs. Est-ce que j'aurai la force de faire ça, en tout cas ? Il est impatient que la soirée musicale soit finie pour dire bonjour à ses hôtes et puis rentrer chez lui et peut-être se mettre à écrire. C'est à ce moment-là que le deuxième choc, ce qu'on pourrait appeler le contraire de l'extase créatrice, arrive, c'est qu'il se retrouve dans la salle où il y a toute une série d'invités, et ces invités, pour la plupart, c'est des protagonistes de sa vie ancienne, c'est tous les personnages qu'il a fréquentés, qu'on a Bloch, les Guermantes, Charlus, et bien Gilberte, et bien d'autres encore. Ils sont là. Ce qui est normal, ce n'est pas une coïncidence, parce qu'ils font tous partie du même milieu, puis il y a eu des mariages entre eux, certaines familles qui semblaient n'avoir rien à faire sont devenues membres du même continuum, etc. Il se dit, ah zut, on ne m'avait pas prévenu que c'était un bal masqué. Ils sont tous déguisés, ils sont tous grimés. Et il les regarde en disant, et lui, c'est incroyable, je le reconnais, c'est le duc d'Agrigente. C'est un maquillage de génie, on dirait qu'il a 80 ans, il tient à peine sur ses jambes. Et il a une sorte d'hésitation, comme ça, le duc d'Agrigente, qui était un personnage particulièrement hautain et désagréable et cassant, s'adresse à lui en disant « Je reconnais, ça vous êtes... » le narrateur est bouleversé, parce que le plus fier visage, le torse le plus cambré, n'était plus qu'une sorte de loque éparse, agitée ça et là de petits tremblements. Avant que tout ça ne dure que quelques secondes, mais dure pour lui une éternité, avant qu'il ne comprenne que personne n'est grimé, que le temps a passé, et que tous ces gens qui étaient des personnages de sa jeunesse et donc de sa propre vie, et ont vieilli, et sont sur le point de basculer dans la mort, et que ça, c'est le vrai problème. Ça, c'est il va avoir une course contre la montre entre l'expérience de l'extase et sa capacité de la restituer dans une œuvre d'art, et le fait que la visiteuse du soir est entrée en action et commence à vieillir, à effacer, à rendre gâteux avant de les détruire les personnages de sa propre saga. À un moment donné, il a un choc parce que Gilberte, elle, n'a pas changé. Elle est exactement la jeune fille qu'il a aimée dans sa propre jeunesse. Et l'approche, il dit « Ah, mais Gilberte, elle lui dit « Je vois que vous me prenez pour ma mère, mais bon. » Et donc, Gilberte, c'est la vraie Gilberte, c'est la grosse dame un peu sotte et snob qui s'est mis à parler une autre langue. On parlait, il dit « Ah, mais comment venez-vous ainsi dans des matinées si nombreuses ? Non, ce n'est pas ainsi que je vous schématisais. » Rien qu'à ce changement de langage bizarre est devenu moderne, sans doute, par rapport à 1919, il comprend qu'il s'est trompé. Alors, il essaye, puisqu'il n'a plus de chance avec la mère, de circonvenir la fille, et il lui dit... est-ce que vous voudriez venir dîner avec moi un soir ? Il voit que tout le monde le regarde en tant qu'il parle, le regarde d'un air bizarre, et il dit si ça ne vous dérange pas de venir dîner avec un jeune homme. Et tout le monde se met à rire, et il dit je veux dire avec un vieil homme. Mais il en est vraiment perturbé, donc il rentre chez lui, et c'est le moment où le fil narratif
entre le narrateur qui n'est pas doué pour écrire et Proust qui est doué pour écrire et était en train de finir son livre, se rejoint et il commence donc à entrevoir qu'il va pouvoir le faire. Il y a un passage très particulier où il dit bientôt je peux montrer des premiers fragments à des gens proches. On me félicita d'avoir ainsi écrit et décrit les choses avec un microscope. Cela me surprenait parce que je n'avais pas écrit avec un microscope, mais plutôt avec un télescope. Et si ces choses paraissaient petites, c'est parce qu'elles étaient infiniment éloignées. Parce que pour lui, le temps, quand on ne le contrôle pas par l'œuvre d'art, quand on ne le retrouve pas par l'œuvre d'art, est une sorte de fuite des planètes qui éloigne les êtres, les choses, la mémoire, le corps et l'avenir de soi à une vitesse phénoménale. Donc, ce qu'il raconte, ce que la recherche du temps perdu raconte, c'est l'expansion infinie de la planète qu'est une vie, vue non pas au microscope, mais au télescope. Cette métaphore, car c'en est une, est évidemment très intéressante. Proust détestait le symbolisme et les symboles, et il le distinguait absolument des métaphores. Pour lui, une œuvre d'art devait fournir une métaphore, c'est-à-dire des choses plus vraies que le vrai, qui disent une vérité générale à travers une vérité particulière, pas à travers une formulation générale comme dans le symbolique, mais à travers une vérité particulière, une saveur, un regard, une parole. Le langage joue un rôle très grand dans l'évolution des personnages. Ayant une portée qui dépasse l'anecdote et qui finisse par faire entrevoir une autre vérité en dessous. On pourrait se lancer à partir de là dans comment fonctionne l'écriture proustienne, mais je suis conscient, et d'ailleurs chaque fois je m'attends à ce que Madame Jadot, Madame Dehé, qui nous invite ici, claque les doigts ou que je reçoive un petit papier, soyez bref. Il faut quand même que je vous fasse entendre, même si j'avais prévu de nombreuses lectures et que vous n'avez encore rien entendu du tout, que je vous fasse entendre deux choses. Un, mais ce sera en deuxième lieu, c'est quand même un peu le grain de la voix de Proust, hein, à travers deux, trois passages très brefs. Du début du côté de chez Swann. Et l'autre, c'est quelque chose qui donne une certaine idée de la vie proustienne à partir du moment où il entre en confinement, comme je vous le disais, où la combinaison de la perte de son parent, de la guerre, de la perte d'une partie de sa fortune, de la mort d'Alfred Agostinelli, de la certitude que, il faut pas traîner s'il veut mener son œuvre à bien, et de la maladie, l'amène à vivre enfermé chez lui pendant de longues années, boulevard Haussmann numéro 102, et ensuite quand il devra déménager dans deux appartements qui reconstituera chaque fois, un peu selon le modèle, une chambre pour lui, une chambre à l'autre bout pour sa gouvernante, une cuisine qui ne sert pratiquement qu'à préparer du café, qui est pratiquement la seule chose qui l'avale, hein, sauf rares exceptions. Et tout le reste encombré de meubles sous housse, dans un énorme garde-meubles dont il a l'art de transformer le moindre de ses appartements. Dans les gens qui l'ont connu, je vous ai parlé de Paul Morand tout à l'heure, il y a aussi Cocteau. Et l'avantage, quand un poète raconte quelque chose de concret, c'est que forcément, il exagère en poésie, forcément, il triche pour produire un certain effet, mais en même temps, il triche pour la vérité. C'est d'ailleurs de Cocteau c'est à Cocteau qu'on doit la phrase « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». Ce qui paraît une assez bonne définition de la littérature, évidemment. Il faut inventer pour arriver au plus vrai. C'est pas en faisant un copier-coller du réel, mais en trouvant une certaine forme de stylisation, donc d'invention ou de réinvention de la réalité, qu'on parvient à atteindre un certain point d'impact, une certaine justesse acoustique et visuelle. Voilà comment Cocteau décrit un peu le mode de vie de Proust et quand il est entré dans cette longue période finale de confinement à partir de 1913. Chez Marcel Proust, boulevard Haussmann, les chiffres que j'oppose à ceux des mathématiciens devenaient l'évidence, c'en était la ruche. On pouvait suivre leur travail comme sur une plaque de verre. On les pouvait presque toucher du doigt.
la guérite de liège derrière le lit de cuivre, la table couverte de fioles, d'un théâtrophone, appareil permettant d'écouter certains théâtres, d'une pile de cahiers de classe, et comme sur les autres meubles, d'une fourrure de poussière qu'on n'époustait jamais. Le lustre enveloppé de lustrines, la table d'ébène où s'entassent dans l'ombre des photographies de cocottes, de duchesses, de ducs et de valets de pied, de grandes maisons, la cheminée à glace morte, des housses et cette poussière, cette odeur de poudre anti-asthmatique, odeur de sépulcre, toute cette chambre de Jules Verne était un Nautilus encombré d'appareils de précision pour calculer nos chiffres, nos nombres, nos mesures, et où il était fatal de voir apparaître le capitaine Nemo en personne, Marcel Proust, mince, exsangue, avec la barbe de Sadi Carnot, mort. On parlait un soir, non, je vais sauter pour... il parle des séances de lecture chez Proust à certains moments, raconte Cocteau, pour un visiteur. Proust prenait une page au hasard de livre qu'il était en train d'écrire et le lisait. Le visage tel que nous admira plus tard pour la dernière fois sa dépouille auprès de la pile de cahiers de son œuvre qui continuait, elle, à vivre à sa gauche comme le bracelet montre des soldats morts. Et Marcel Proust nous lisait chaque nuit du côté de chez Swann. Ces séances ajoutaient au désordre pestilentiel de la chambre un chaos de perspective, car Proust lisait n'importe où, se trompait de page, chevauchait, recommençait, s'interrompait pour nous expliquer qu'un coup de chapeau au premier chapitre trouverait son sens dans le dernier volume, et il pouffait derrière sa main gantée. Oui, quand il recevait des visiteurs, il se gantait, il les faisait jurer qu'il n'avait pas touché une fleur parce que ça déclenchait son asthme. Et quand il recevait des lettres, il les faisait passer dans un petit autoclave pour tuer les microbes. Donc on était là aussi dans une perspective de confinement. Il pouffait derrière sa main gantée d'un rire dont il se barbouillait la barbe et les joues. « C'est trop bête, disait-il, c'est trop bête. Non, non, je ne lis plus. » Sa voix devenait une plainte lointaine, une larmoyante musique d'excuses, de politesse, de remords. « C'est trop bête. Il avait honte de nous obliger à écouter des choses si bêtes. C'était sa faute. Du reste, il ne pouvait pas se relire. Il n'aurait jamais dû commencer à lire. » Et quand nous l'en avions décidé à poursuivre, il tendait les bras, tirait de n'importe où une feuille de grimoire et nous tombions à pic chez les Guermantes ou chez les Verdurin. Entre parenthèses, l'idée que quand Proust lit La Recherche du Temps Perdu, balbutie de rire, il sanglote de rire, il a des fous rires, il se barbouille de rire le visage et dit « c'est trop bête, je ne lis plus », est une idée qu'il a aussi renouvelée. L'image trop facile et totalement fausse d'un Proust écrivain sérieux, grave, triste. Ces aspects-là existent, mais un des ressorts les plus fondamentaux de Proust durant toute la durée de son œuvre, c'est le comique. Les pages hilarantes de Proust, liées en général aux personnages, aux situations, au langage, sont probablement le tempo principal qu'on retire de sa musique. Il y a sans doute plusieurs façons de retirer de la lecture complète de Proust des perceptions, et elles varient selon les âges où on lit Proust ou selon la relecture qu'on fait, selon son propre état d'esprit quand on le lit ou le relit. Mais la dimension comique, comique énorme, comique de situation, comique de parole, comique de mensonge, comique de coup de théâtre, cette dimension-là est fondamentale. Il est notamment le grand auteur comique de la littérature française, avec éventuellement Molière dans ses meilleurs moments. Et ça, cet aspect-là, il me semblait qu'il était nécessaire de vous le dire, surtout que le moment se rapproche où je vais devoir vous quitter, mais non sans vous faire entendre quand même un tout petit passage de Proust. D'abord, le tout début, pour que vous compreniez ce que j'ai appelé tout à l'heure le zapping, l'espèce de preview, qui précède le déroulement narratif principal. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sous mes yeux et les empêchait de me rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir
inintelligible, comme après la métempsycose des pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant la distance, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches comme sont les joues de notre enfance, me faisaient prendre conscience de mon avenir. Je frottais une allumette pour regarder ma montre, bientôt minuit. Ça commence à peu près comme ça. Et ce passage finit quand, ce passage introductif dans ce zapping, quand, ayant au matin eu cette première extase annonciatrice, qui essaye de celle de la tasse de thé, de la madeleine plongée de la tasse de thé, il entrevoit quelque chose qui va bien plus loin que le souvenir singulier, qui va annoncer le passage consacré à Combray et à son enfance, mais qui est aussi le dispositif de ce qu'on appellera, et de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appellera la mémoire involontaire. Et tout à coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé, dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, ayant souvent aperçu depuis sans en manger sur les tablettes des pâtissiers, cette madeleine, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que ces souvenirs abandonnés si longtemps, hors de la mémoire, de rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui lui eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand, d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme les âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Voilà. Vous voyez comment... Vous entrevoyez plutôt comment, avec cette expérience qui commence par la saveur de la madeleine, et puis l'intuition qu'il s'agit d'un moment du passé où il allait rendre visite à sa tante Léonie, et ça débouche, après une petite notation, je dirais, émotionnelle et impressionniste, ça débouche sur une perspective quasi-philosophique, le fonctionnement de la mémoire, hein, le fait que le temps est aboli, mais qu'il reste sur la gouttelette presque impalpable à la possibilité de faire rejaillir l'édifice immense du souvenir. Voilà ce que je pourrais vous dire dans une approche beaucoup trop courte et qui ne peut aborder que bien des aspects secondaires de Proust avec quelques aspects essentiels, alors que d'autres attendent d'être redécouverts ou découverts ou explorés une première fois ou à nouveau par chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Je crois vraiment, je vous disais, et c'était pas une boutade, que Proust, c'est une des choses les plus étonnantes qui me soit arrivée dans ma vie, et les plus importantes. Ça ne veut pas dire que je suis un proustien maniaque, ça ne veut pas dire que je lis Proust toutes les semaines ou que j'y pense sans arrêt, mais quand j'y pense, ce à quoi je pense, c'est au fond à quelque chose qui est de l'ordre de ce à quoi je pense quand on pense à sa vie. C'est-à-dire à une expérience où tout est dans tout, où tout est mêlé, où il n'y a pas de différence, comme on le fait administrativement, entre notre intelligence, notre passion, nos obsessions sentimentales, sexuelles, nos lectures, nos moments de bonté, nos faiblesses, nos bêtises, nos sottises, nos distractions, notre sommeil, nos rêves. Il n'y a pas de jointure, il n'y a pas un rejet qui fait ça, c'est moi, ce n'est pas moi, c'est tout. Hein, c'est en ce sens que c'est total, tout. Et une variation sur le thème de l'expérience de la vie. Et c'est exactement cette impression et donc cette expérience qu'on fait, mais portée par une machine à sentir et à restituer de tout premier ordre, qu'on fait en lisant L'Archer du temps perdu. J'aurais envie de vous dire qu'il faut
vous y mettre ou vous y remettre de toute urgence. C'est une lecture, c'est pas forcément une lecture rapide, mais c'est une lecture continue. Il me semble que la meilleure façon de lire L'Arche à la Temps Perdu, c'est de se dire, bon, de toute façon, ça fait 3000 pages, je n'ai pas que ça à faire, j'en lis, mettons, 50 par jour, donc ça fait 3000 divisé par 50, ça fait quelques mois, et ben, dans 3 mois, j'aurai lu, ou 4 mois, j'aurai lu L'Arche à la Temps Perdu, tout entier, sans jamais saturer, résistant à l'envie de fermer le livre plus tôt, si je n'ai pas encore fait les 30 pages, résistant à l'envie de poursuivre si je suis pris et que, hein, avec une espèce de tempo comme ça, pour peu à peu entrer dans le rythme, dans le tic-tac du temps de cette œuvre qui est un modèle d'expérience de sa propre vie. Moi, pour ma part, je pense que j'ai toujours circulé dans ma mémoire comme dans un roman, c'est-à-dire que je considère que le roman, c'est non pas la vie, mais la circulation dans la mémoire de sa vie, hein. Et que la base pour moi de l'écriture, de ma propre écriture, c'est ce rapport-là, une certaine façon de circuler dans sa vie comme dans un roman, dans sa mémoire de la vie comme dans un roman, pour en détacher peu à peu l'essence, c'est-à-dire le recentrement. Parce que ce qu'on appelle le style, c'est pas une certaine façon de dire joliment les choses, ça c'est de la blague, c'est de l'enjolivement. Ce qu'on appelle le style, c'est le moment où par le simple fait que le récit ou la parole ou le texte s'organise, il fait fonctionner quelque chose de plus fort que nous, de plus grand, de plus nécessaire, de plus concentré, de plus rapide que nous. Et ça, il faut rattraper. Nous sommes, par rapport aux grandes œuvres, comme des roues dentées qui tournent dans des sens différents, et puis à un moment donné, deux crans, des roues se rencontrent, et la machine générale s'enclenche comme dans un mouvement d'horlogerie. Je pense que cette lecture la recherche peut déclencher ça chez vous, c'est-à-dire le sentiment d'une certaine nécessité d'existence et même d'une certaine transcendance de l'existence. Alors, deux choses, et là je deviens peut-être un petit peu donneur de conseils, mais il faut concevoir que ce livre est encore d'aujourd'hui. Il ne faut pas le lire dans des éditions avec des appareils de notes. Il ne faut pas, selon moi, le lire dans l'édition savante de la Pléiade. Ça. Prenez l'édition la plus simple, hein, à mon avis, c'est en folio courant, hein. Et même les anciennes éditions étaient meilleures parce qu'il y avait moins de commentaires, moins de notes, et lisez-le comme si vous étiez contemporain de l'apparition du premier volume. Il n'y a rien, ni en termes de langage, ni en termes d'anecdotes ou d'allusions, qui ne soit hors de notre portée. Donc, tout est directement donné. C'est une œuvre qui doit être lue sans commentaire. Les commentaires, c'est toujours intéressant. Lire la correspondance, une biographie de Proust, c'est toujours intéressant. Mais on n'avait pas besoin de cela. On n'a pas besoin de ça pour lire le livre. Il n'est pas une œuvre savante. C'est une œuvre, si je peux dire ce terme au sens général, lyrique d'aujourd'hui. C'est une œuvre qui met en branle notre perception du monde à travers, certes, un texte écrit il y a une centaine d'années, mais dans une langue qui, d'ailleurs, étant une langue littéraire et non pas une langue de servant à communiquer avec un voisin dans le tram, n'a pas beaucoup changé. Ce qui change beaucoup, c'est le langage courant. Hein. Quand on entend deux collégiens aujourd'hui parler entre eux, il n'est pas sûr qu'on comprenne tout, parce qu'un certain nombre de référents, de langage, de mots, hein, sont venus se substituer à notre propre langage vernaculaire de quand nous avions leur âge. Mais s'agissant des œuvres écrites, on peut dire que le langage tient, hein, que son évolution est beaucoup plus lente et beaucoup plus maîtrisée. Hein, et qu'on peut lire absolument en 2020 un texte écrit il y a 107 ans ou il y a 110 ans, sans avoir jamais besoin d'une note. Alors, il peut se faire que un mot nous échappe, mais ce n'est pas le plus important. Et par contre, lorsque vous serez mordu par L'Arche du Temps Perdu, c'est clair que lire l'œuvre antérieure principale, c'est-à-dire Les Pastiches et Mélanges, où il y a la première partie, c'est Les Pastiches, et la deuxième partie, c'est un certain nombre de textes dont le plus connu et le plus beau s'appelle Matinée de lecture, et est comme une première version de Combray,
mais décrit de manière beaucoup plus concentrée la poésie particulière, la magie particulière d'une lecture passionnante durant l'enfance, durant les vacances, entrecoupée de tartines de miel, de promenades dans la campagne, etc. Et il y a quelque chose là qui montre que ce texte qui date de 1906, donc qui est antérieur de près de 15 ans au déclenchement de La Recherche du Temps Perdu, ou en tout cas à sa publication, est déjà une œuvre où le talent de Proust est tout entier au point, hein, au fond. Et c'est un écrivain qui, du point de vue langagier, du point de vue intellectuel, est au point très vite. Mais il n'a pas encore trouvé la façon dont le montage général vont faire que La Recherche du Temps Perdu n'est pas une série de souvenirs, mais une série d'impressions, d'intuitions, de récits et de captations du monde qui, combinées, portent sur l'essence de l'existence à travers des expériences faciles, singulières et universelles. Hein. Donc le passage de l'un à l'autre n'est pas dans la langue ou dans le sujet, mais dans la combinatoire. Mais il faut absolument que vous lisiez Le Pastiche et Mélange. Et puis alors, pour ceux qui veulent vraiment entrer dans les détails, une des choses les plus intéressantes qu'on puisse trouver, c'est le texte que Morand a consacré à sa première rencontre avec Proust, que Paul Morand a consacré à sa première rencontre avec Proust, qui s'appelle Marcel Proust, le visiteur du soir. Et il décrit le jour où, à minuit, on sonne à sa porte, il ouvre, et c'est un type à moustache grelottant, alors qu'on est en plein été, engoncé dans une pelisse, avec des cache-colles, un chapeau, un survêtement de laine, etc. Et qui vient lui parler du fait qu'il a entendu dire que, etc. Et génialement, Morand, durant plusieurs pages, restitue la parole de Proust, la parole directe de Proust, hein, les circonvolutions, les politesses, les incidents, etc. Et on voit que c'est pas l'écriture à la Recherche du Temps Perdu, mais on voit qu'entre sa façon de s'exprimer et le dispositif et le ton de l'œuvre, il y a une ressemblance intrinsèque. C'est pas écrit dans une autre langue que celle de son corps, l'œuvre de Proust. Et grâce à ce texte, Le Visiteur du Soir, Marcel Proust, de Paul Morand, on peut s'en faire une idée. Et puis, c'est une expérience de longue haleine. Je vous disais la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, qu'un critique avait dit à propos d'Aphrodite de Pierre-Louis, mais que faites-vous de votre vie si vous ne le lisez pas ? Cette phrase est provocatrice et Aphrodite est un livre intéressant, mais ce n'est pas un des 10 chefs-d'œuvre de l'humanité non plus. Pour Proust, on a envie de dire et de se dire à soi-même, mais qu'est-ce qu'on fait de sa vie si elle n'inclut pas aussi le fait qu'on lit Proust ? Non pas parce que par admiration extérieure à une œuvre admirable, mais parce que lire Proust, c'est entrer un peu plus fort, un peu plus vite, un peu plus intensément dans sa propre vie. C'est de ce point de vue-là que c'est une œuvre, je pense, même si ce terme a beaucoup été utilisé, absolument incontournable. Je m'arrête au bord du pic et en entrevoyant une autre façon d'aborder Proust que j'aurais pu faire, mais l'avenir dure longtemps. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup au Centre des Riches Clairs et à son caméraman de capter ça. Je ne sais pas, on verra à l'usage si cette captation valait le coup, mais en tout cas, c'est très agréable de savoir qu'une trace de cette ambiance et de cette rencontre existe et pourra circuler. C'est grâce à vous. Et donc, merci beaucoup. Et alors, théoriquement, c'est un cycle où, par bonne fortune, pour des raisons liées aux vacances, on avait prévu que la séance suivante aurait lieu dans un mois, de mémoire, quelque chose comme le 21 novembre. Donc ça tombe assez bien, parce qu'on voit bien qu'on est entré dans un système de restriction de circulation, que peut-être certaines salles seront fermées, etc. Dans un mois, on y verra sans doute plus clair. Donc peut-être à dans un mois, ou peut-être à une autre fois. Mais en tout cas, c'est très, très heureux pour moi, il n'y a pas d'autre mot, que d'avoir ces rencontres du matin et de vous ouvrir mes livres et donc ma mémoire et mon désir de communiquer, parce que je pense que la littérature, ce qu'on appelle la littérature, pas les livres, la littérature, c'est-à-dire les grandes choses, c'est
une façon de communier avec soi, avec autrui, avec le monde, indépassable. C'est pas un club de lettrés, vous avez vu ça à la page 7, c'est en parlant de littérature, on parle de ce qui est, le compte le plus au monde, qui n'est pas les livres, mais qui est la façon dont on fait de sa vie autre chose qu'une aventure moléculaire.